Puisque tu es dans le noir, trace devant toi les contours d'un œil et regarde à travers lui. Tu nous verras dans les ténèbres, nous, les acteurs immobiles. Nous t'attendions, chacun dans notre pose, à fleur de pierre, dans nos costumes de dieu ou de simples mortels. Avec nos coiffes et nos doubles couronnes, nos masques d'animaux soudés à nos visages, avec nos partenaires sauvages ou familiers, poissons, insectes, oiseaux, félins, chacals, et tous nos accessoires, plantes, objets, maisons, étoiles. Cette nuit, la représentation n'a lieu que pour un seul. Tu nous as beaucoup aimés et attentivement regardés. Nous t'avons longtemps mené en bateau, jusqu'à ce que tu saches nommer le nom de ce bateau et ainsi le conduire au long du fleuve sous le soleil et sous la lune. Tu as parlé de nous et avec précision. Alors, connaissant notre goût pour la symétrie, il te sera naturel que cette nuit, en retour, nous puissions parler un peu de toi. Car c'est l'un de nos rôles, quand l'homme est descendu pour toujours dans la terre noire, de l'entourer de notre présence, de veiller sur lui, de lui donner des conseils, de lui rappeler ce qu'il doit dire pour ne pas disparaître ni être dévoré, afin qu'il puisse sortir au jour et retrouver les plaisirs de la vie. C'est à nous de lui tendre un miroir de parole dans lequel il pourra se souvenir de lui-même. À présent, qu'une bouche nous soit donnée, que des oreilles te soient données, et pour que nous puissions jouer nos rôles, tu connais la marche à suivre. Lève-toi, tête d'homme et corps d'oiseau, et viens à notre rencontre en nous regardant dans les yeux. Thank you.
Tout commence, à la manière de ces contes égyptiens, dans lesquels des faits déjà passés prennent la forme de prophéties. Ainsi, il est conté qu'on prédit à ta mère que, malgré sa santé fragile, elle porterait un fils à la gloire éternelle. On dit aussi qu'enfant encore, tu as appris seul à lire dans une vieille Bible. C'est ce que dit le conte antique de Figeac. Mais il s'attarde moins sur l'incertitude que cette femme, qui touchait au grand âge de 48 ans, fut vraiment la mère de ce petit garçon à la peau mate et aux yeux noirs. Tu es né en pleine révolution, et d'elle, tu es vraiment le fils. La Bastille a été prise l'année dernière, et 3 ans plus tard, on élevait sur cette même place, pour célébrer la fin du régime royal, une statue en plâtre égypto-citoyenne, car, contre le clergé, les anciens dieux reprenaient du service. Elle figurait Isis, entourée par 2 lions, offrant de l'eau républicaine par ses seins en fontaine. Tu grandis auprès des livres de ton père libraire, de 3 grandes sœurs et d'un frère, Jacques-Joseph, qui a 12 ans de plus. L'amour qu'il a pour toi, son petit frère, l'amour que tu éprouves pour ton grand frère, naissent à l'abri de tout récit. Moi, c'est toi. Mon cœur m'assure que nous ne ferons jamais 2 personnes, lui as-tu écrit un jour. Et lui a dit qu'il fut par toi un frère, un père, un maître et un élève. Ce frère aurait bien aimé suivre à 20 ans un certain Bonaparte sur les terres égyptiennes. À défaut, il se rend à Grenoble. Tu as 8 ans et tu rêves beaucoup à ce grand frère modèle parti à l'aventure et qui, malgré son peu d'argent, sait manœuvrer très habilement pour faire son chemin dans la société des arts et des sciences. L'abbé qui s'occupe de toi t'apprends le nom des plantes et le nom des étoiles, mais tu gardes pour lui quelque chose d'indéchiffrable. Il écrit à ton frère, « Il a beaucoup de goût,
beaucoup de désir d'apprendre, mais son goût et son désir sont noyés dans une apathie, une négligence qu'il est difficile de rendre. Il y a des jours où il paraît vouloir tout apprendre, d'autres où il ne ferait rien. Et ton frère t'encourage d'un ton ferme et convenu. Puisque tu me fais l'aveu que ton esprit est volage, tu dois lui donner un peu de constance. N'oublie jamais que le temps perdu est irréparable. Si tu désires venir auprès de moi, il faut que tu apprennes vite quelque chose. Les ignorants ne sont bons à rien. Surtout, apprends bien l'orthographe. La lecture t'aidera beaucoup pour cela. Tu réponds poliment que tu obéiras en signant Cadet Champollion. Et bientôt, des chevaux t'ont emmené à Grenoble. Ton frère devient ton professeur. Lui aussi fait face à ton mystère. Il écrit « Quelquefois, je mène au port une aptitude flottant dans l'espace immense de l'imagination. » Que vas-tu faire de ces désirs et de cette impatience qui te font vouloir être déjà ailleurs quand tu te trouves quelque part? Tu lis beaucoup. Et comme ton frère, particulièrement les choses bizarres. Tu aimes ce que les autres ne comprennent pas. Tu prends le large dans des dictionnaires peuplés de compagnons choisis. Tes amis sont grecs, hébreux, arabes. Les paysages de la Bible sont vos terrains de jeu. Ou bien souvent, tu ne vois pas que la nuit est venue. À 13 ans, tu es boursier au lycée impérial. Le murmure nocturne des langues orientales se marie mal au rythme matinal du tambour militaire. Mon cher frère, je n'ai plus de papier, envoie-moi. Je ne sais que faire quand j'ai fini mon devoir. Je m'ennuie. Envoie-moi le reste des livres que je t'ai demandés. Le dictionnaire hébreu, Lensden Philologia, Bibliotheca Rabbinica, Rudolfi Ethiopica Grammatica, Ruines hébraïques et ma grammaire. Adieu, ton frère obéissant. PS, je n'ai pas de boucle pour les culottes. Malgré de rares amis, ton goût pour le dessin et quelques chahuts libérateurs, l'ennui fait du lycée un séjour infernal. Nous devons cependant te laisser encore un peu entre ces tristes murs d'où tu t'évades à la bougie le soir, car pour raconter comment nous sommes devenus l'objet violent de ton désir, il nous faut remonter bien avant dans le temps et porter nos regards sur un autre adolescent que tu as bien connu, car il a joué dans ta vie un grand rôle. À l'entrée du delta du Nil, 200 ans à peu près avant votre ère, on a posé sur la tête d'un enfant grec la double couronne des rois d'Égypte. Il a 5 ans. Son père, Ptolémée IV, est mort assassiné, et puis sa mère, régente, a été tuée aussi. Lui-même, il connaîtra la mort violente. Pour l'heure, il a 12 ans. Lorsqu'un comité réuni à Memphis décide de faire savoir dans tout le pays que, depuis qu'il est roi, Ptolémée V, l'illustre, aimé de Ptah, a déjà accompli de grandes choses, qu'il a bravement mené la guerre contre les ennemis, qu'il a su endiguer à l'âge de 8 ans une mauvaise crue du Nil, surtout qu'il a donné des gages de bonne entente aux prêtres sous forme d'avantageux allègements d'impôts, et qu'en retour les prêtres veilleront sur son règne, en lui consacrant les offrandes et les fêtes que l'on fait à un dieu. Voilà ce que l'on doit lire dans tous les temples d'Égypte, en deux langues, sur des stèles à l'effigie du roi, en grec, qui est sa langue, et pour ce qui est de l'égyptien, en l'écriture des dieux et dans celle de l'administration. On extrait les blocs de pierre. Les scribes tracent les signes sur les surfaces polies. Les sculpteurs creusent la pierre là où les scribes ont dessiné. Les stèles s'acheminent, naviguent et entrent dans les temples. Ptolémée V, l'illustre, aimé de Ptah, le dieu au visage vert, règne et à 30 ans se fait empoisonner.
De nouveaux Ptolémées règnent et disparaissent, puis l'Empire égyptien et Cléopâtre meurent par le venin, dit-on, d'un serpent caché dans un panier de figues. Quelques années plus tard, un homme est né en Palestine dont le destin fut tel que, maintenant encore, vous comptez les années qui vous séparent de sa naissance. Comme Osiris, il meurt et revit de nouveau, puis il monte dans le ciel y rejoindre son père, qui est une entité dans le genre d'Amon-Ré. Il faut cesser de s'intéresser aux autres dieux. Il ne faut plus honorer que lui seul. Il ne faut plus sacrifier d'animaux, car lui-même sans fin se sacrifie, se faisant avaler et renaissant encore. On ferme les temples qui ne le célèbrent pas. Les scribes n'ont plus le droit d'exercer leur savoir. On cesse de nous peindre, de nous tracer, de nous sculpter sur les papyrus, sur les pierres, sur les murs des tombes, sur l'argile et même sur le sable. Un 24 août de la fin du 3e siècle, notre dernier message, inscrit sur les murs d'un temple, contient les termes « pour l'éternité ». Au temps que vous appelez Moyen-Âge, un sultan fait construire un beau fort militaire entre la mer et la ville d'El Rachid. Des stèles devenues illisibles sont mêlées à la terre de Remblai, où quelques siècles encore, elles dorment du sommeil des pierres. Or, dans le temps qui correspond à ta 9e année, lors de l'expédition d'Égypte qui a fait tant rêver ton frère, un lieutenant menant à des fins militaires des travaux dans le fort de Rosette, ainsi que vous nommez le fort d'El Rachid, heurte une pierre magmatique d'un gris noir. Cette stèle, brisée sur tous ses bords, est gravée de 3 écritures différentes. On les frotte de craie pour les distinguer mieux. Celle du bas est en langue grecque. Il y est question d'un jeune pharaon du temps des Ptolémées. Aussitôt, on se met à rêver que ces signes que l'on comprend pourraient donner accès à ceux qu'on ne comprend pas. Et le bruit se répand que ce bloc d'abîme noir qui vient soudain de reparaître au jour est peut-être une porte qui donne sur les couloirs du temps. Thank you.
Entre la fermeture des temples et le moment où tu vécus, nous n'étions pas cachés, mais nous avions perdu la voix. On avait oublié que nous étions faits pour noter une langue parlée entre les hommes, que nous avions le pouvoir de rappeler à l'esprit en frappant les yeux par la peinture les mêmes combinaisons d'idées qu'on réveille en lui en s'adressant aux organes du sens de l'ouïe par la parole. Ceux qui avaient écrit sur nous dans les temps anciens, soit ne nous connaissaient pas vraiment, soit dans leurs livres avaient, par mégarde, semé les graines de l'ambiguïté, et celles-ci avaient germé en de vénéneux malentendus. Un homme du 5e siècle, Horus Apollon le Jeune, qui vivait à Alexandrie, rassemblant des poussières de mémoire, écrivit un traité où il parle de nous. À la Renaissance, les objets de l'antique Égypte venaient orner les cabinets de curiosité d'Italie, de France et d'Angleterre. Le livre reparut et ce fut la fortune du hiéroglyphica. On y lit que lorsque les Égyptiens veulent représenter l'univers, il peigne un serpent mangeant sa propre queue. Car chaque année, le serpent se dévêt de sa peau, de même que l'univers, après une révolution, se renouvelle. Le livre dit aussi que, pour peindre l'ardeur, il figure un lion, car le lion a des pupilles enflammées et possède autour de sa face arrondie des poils rayonnants comme le soleil. Le vautour désigne la mer, la vue, la limite, l'année, le ciel. Le lièvre est l'ouverture, parce que cet animal a les yeux toujours ouverts. L'ibis est le symbole du cœur, car quand il cache sa tête et son cou dans les plumes qui sont sous son estomac, il a la ressemblance d'un cœur. La queue du crocodile désigne les ténèbres, parce qu'il ne tue sa proie et ne la prive de la lumière qu'en la frappant avec sa queue. On en conclut que nous étions des gardiens du silence, un code pour initier détaché de toute langue, une façon magique de nommer l'univers et de le convoquer par des énigmes, des symboles et des emblèmes. Plus d'un prétendit connaître nos secrets, tel le jésuite Kircher, génial bonimenteur, dont les livres étaient des séances de lanterne magique aux merveilleuses images alimentant le fleuve de l'égyptomanie. Thank you.
Ainsi, lorsque tu étais enfant, nous n'avions pas disparu de la mémoire des hommes, mais nous étions devenus de beaux mystères ornementaux. Et ceux qui pressentaient que nous étions une langue n'en balbutiaient pas la première syllabe. Joseph Fourier, un homme de science qui avait fait la campagne d'Égypte, se présente à Grenoble. En plus de sa mission de préfet de l'Isère, il a celle d'écrire la préface de la grande description de l'Égypte, qui doit présenter sous forme colossale tout ce que la troupe de savants marchant aux côtés des soldats avait pu rassembler d'images et de savoirs. Car, pour ce qui est des objets, ils n'avaient pu garder que ceux de la taille de leurs poches, amulettes, scarabées, petits dieux portatifs, les Anglais ayant emporté avec leur victoire tous les trésors, dont la précieuse pierre noire que tu n'auras jamais vue qu'à travers des copies. Ton frère devient l'assistant du préfet. L'Égypte se rapproche de vous. Tu as 15 ans. Entre émulation et solitude profonde, en toi, les soirs, se fait jour, ou plutôt se fait nuit, le désir de rencontrer notre peuple et de connaître les Égyptiens par les Égyptiens eux-mêmes. Je veux faire de cette antique nation une étude approfondie et continuelle. L'enthousiasme ou la description de leurs monuments énormes m'a porté et l'admiration dont m'ont rempli leur puissance et leur connaissance vont s'accroître par les nouvelles notions que j'acquerrai. De tous les peuples que j'aime le mieux, je vous avouerai, écris-tu à tes parents, qu'aucun ne balance les Égyptiens dans mon cœur. C'est pourquoi tu veux tant sortir de ce collège et partir à Paris, où te voilà enfin. Tu y fêtes seul tes 17 ans, l'âge où l'on est très sérieux avec son désir. Tu n'aimes pas cette ville. Tu regrettes tes montagnes. Tu pleures le soir comme un enfant. Tu affrontes, dis-tu, des fleuves de boue pour courir d'une langue à une autre. Mon très cher frère, voici mon nouvel arrangement. Le lundi à 8h15, je pars pour le Collège de France où j'arrive à 9h. Tu sais qu'il y a beaucoup de chemin, c'est place Cambrai, près le Panthéon. À 9h, je suis le cours de persan de Monsieur de Sassy jusqu'à 10. En sortant du cours de persan, comme celui d'hébreu, de syriaque et de chaldéen se fait à midi, je vais de suite chez Monsieur Audran, qui m'a proposé de me garder chez lui les lundis, mercredis et vendredis, depuis 10h jusqu'à midi. Nous passons ces 2 heures à causer langues orientales, à traduire de l'hébreu, du syriaque, du chaldéen ou de l'arabe. À midi, nous descendons et il fait son cours d'hébreu. Il m'appelle le patriarche de la classe, parce que je suis le plus fort de son cours, composé d'abbés et de curés à la tête dure. Ils sont tous âgés. En sortant de ce cours, je traverse tout Paris et je vais à l'école spéciale suivre à 2 heures le cours de Monsieur Langlès, professeur de persan. Le mardi, je vais au cours de Monsieur de Sassy à l'école spéciale. Le mercredi, je vais au Collège de France à 9h. À 10h, je monte chez Monsieur Audran. À midi, je vais à son cours. À 1h, je vais à l'école spéciale pour le cours de Monsieur Langlès. Et le soir, à 5h, je suis celui de Don Raphaël qui nous fait traduire les fables de La Fontaine en arabe. À force de parler l'arabe, ma voix se fait de plus en plus gutturale. Le jeudi à 1h, le cours de Monsieur de Sassy. Le vendredi, je vais au cours de Collège de France et chez Monsieur Audran. Le samedi, chez Monsieur Langlais à 2h. Je voulais aussi suivre le cours de turc chez Monsieur Jobert, qui est excellent, mais j'ai remis cette fatigue à l'année prochaine. Je me suis beaucoup échauffé. Je vais prendre quelques bains qui me donneront assez de force pour continuer mes cours. Tu écris des articles, tu fais des commissions pour ton frère, car la science ne va pas sans manigance ni entre gens. Aux côtés de l'arabe, de l'hébreu, du persan, du sanskrit, de l'amérique et du chinois, ce que tu étudies avec le plus d'ardeur, c'est le copte, que tu vas écouter aux offices de Saint-Roch et que t'enseigne un moine rentré d'Égypte avec l'armée française. Cette langue, qui fut parlée à la fin de l'Empire égyptien, survit encore chez les chrétiens d'Orient dans la musique et les prières. Et bien qu'elle soit écrite avec l'alphabet grec, tu pressens qu'elle abrite des passages secrets sous les mots qui vont rejoindre la langue ancienne. Tu n'es pas le premier à le dire, mais le premier avec autant de conviction. Mon très cher frère, je ne rêve que copte et égyptien.
Je suis si copte que pour m'amuser, je traduis en copte tout ce qui me vient à la tête. Je parle copte tout seul, vu que personne ne m'entendrait. C'est le vrai moyen de me mettre mon égyptien pur dans la tête. Ce n'est point une petite jouissance de parler la langue de mes chers Amenophis III, Sétosis, Ramsès, Toutmosis. Après cela, j'attaquerai les papyrus, et grâce à mon héroïque valeur, j'espère en venir à bout. J'ai déjà fait un grand pas, c'est ma palme si belle à cueillir. À 18 ans, tu domptes difficilement les lions de ton impatience. L'insoumission et l'orgueil qui t'accompagnent depuis l'enfance te donnent peu de respect pour tes illustres pères. Mon cher frère, avec ton nom de savant, tu crois me terrifier ? Le monde savant est comme le monde politique, mené aveuglément par un chef qui mérite ou non de commander, jusqu'à ce qu'un autre, plus fort ou plus malin, vienne renverser ce système reçu et en élève un autre à sa place. N'a-t-on pas longtemps cru que la terre était plate, que le soleil tournait ? Cependant, je te fais la confidence que dans ces temps-ci, il vaudrait mieux pour son avancement donner une nouvelle édition du catéchisme que de faire voir que les Égyptiens, peuple bête et oignonicole, avaient des idées plus pures et plus grandes de la divinité que notre saint père le pape. Avec ton frère, tu chasses les papyrus comme des papillons rares et tout ce sur quoi nous sommes inscrits. Tu nous calques, nous recopies, et ainsi tu commences à nous saisir. La plume remplaçant le roseau, ta main se glisse comme dans un gant dans la main fantôme des scribes. Elle nous caresse, nous apprivoise, elle comprend l'unité de ce qui semblait divers, elle rejoue l'histoire de l'écriture et de nos métamorphoses. Les hiéroglyphes sacrés avec tous leurs détails donnent naissance à ceux stylisés d'un contour qui sont liés à ceux qu'on nomme hiératiques, qui, bien qu'éloignés des formes de la nature, gardent souvent un souvenir de leur premier modèle. Dans la dernière écriture appelée démotique, les signes peuvent s'attacher entre eux pour permettre à la main un mouvement continu. Tu tournes encore autour d'un temple clos, mais tu commences à en connaître très bien les pierres. La conviction qu'il s'agit là des signes d'une langue qui ne servait pas qu'au rituel d'initié se fortifie en toi. Ne voit-on pas que de simples potiers pressaient un seau de bois pour nous imprimer sur la brique encore fraîche ? Nous partagions la vie de ce peuple que tu veux rencontrer. Ta vie de tous les jours à toi est difficile. Tu crains d'être enrôlé dans l'armée impériale, l'argent manque. Ton frère te fait sentir le poids de ses efforts. Maintenant qu'il est père, ce qu'il te donne, il doit l'ôter à Ali, son enfant. Il t'écrit « Abstinence totale de ce qui n'est pas un besoin avoué par la raison ». Tu protestes, mais tu t'inclines et tu lui rends des comptes. « Mon cher, plus de spectacle, j'y ai renoncé. Voici mes données à peu près. Chambre et nourriture, 93 francs. Blanchissage ou autre menu détail, 9 à 10 francs. Bain, 15 francs. Le reste pour la chandelle, les lettres et pour faire le garçon économiquement. Le tout ne passera guère 130 francs. Le nec plus ultra, 140 francs. Ma redingote me fera l'hiver prochain. Il faut la faire retourner. Elle sera un peu courte, mais c'est le genre. J'attends ta pièce de verre. Et moi aussi, je suis poète. À 19 ans, tu quittes avec Paris une histoire d'amour mal engagée et retournes à Grenoble pour enseigner l'histoire. Tu publies tes premières recherches. Si nous ne sommes pas des symboles, que sommes-nous ? Des signes phonétiques qui fonctionnent par groupe ? Peut-être, mais tu ne sais toujours pas nous lire. Année 14, fin de l'Empire. Le roi fait son retour. Jacques-Joseph se rallie au régime des Bourbons. Il est décoré de la fleur de lys. Un an plus tard, l'empereur fait son retour. Passe par Grenoble, il rencontre ton frère qui se rallie. Il est décoré de la Légion d'honneur. Tu suis le mouvement. Et quand Napoléon est envoyé à Sainte-Hélène, en pleine terreur blanche, vous partez en exil dans votre terre natale. Un an plus tard, la situation s'apaise.
Ton frère va à Paris et se lie à Dacier, secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Tu te maries. Ta fille s'appellera Zoraïde, comme ton frère avait voulu appeler la sienne. À Grenoble, tu crées une école d'enseignement mutuel. Le professeur y veille à la vie d'une petite république où les élèves enseignent aux autres ce qu'ils savent. Ta haine des royalistes et des hommes d'église te cause des ennuis. Pour toi, ce sont des chiens qui se jettent sur l'université comme sur un os à ronger. Ton nom est lié à des pamphlets et lors d'un soulèvement, on te surnomme le Robespierre grenoblois. Tu échappes au procès, mais tu perds ton poste de professeur. Sans ressources, tu rejoins ton frère à Paris, au 28 rue Mazarine. Tu as 30 ans et le temps presse, car tu n'es pas le seul dans la course. Il y a beaucoup d'Oedipe qui rôdent autour du sphinx noir de Rosette. Tu les méprises pour la plupart et considères qu'ils jonchent déjà le sol à moitié dévoré. Mais à toi aussi, nous échappons encore. Ton frère t'avait dit, une lettre te conduira au mot, un mot à une phrase, et une phrase au tout. Mais ce n'est pas si simple, car nous ne sommes pas une pelote de laine dont il suffit de trouver le bout pour que l'ensemble se déroule. Nous sommes un organisme, un peuple, un monde, homme, oiseau, objet et plante. Nous habitons les palais de ta mémoire. Nous y dansons la nuit. Tu pourrais te perdre à jamais dans notre foule de sons, d'images et de symboles. Grâce à l'abbé Barthélemy, tu sais que ces petits enclos que l'on trouve souvent entourant quelques signes,
abrite les noms de rois ou de divinités. Sylvestre de Sacy, ton illustre professeur de persan, ayant un temps examiné la pierre, avait su placer plusieurs noms sous des groupes de hiéroglyphes. Johan David Åkerblad, orientaliste suédois, pensait même pouvoir désigner plusieurs mots. Moi, petit, homme, année, victoire, soleil. Et jusqu'à sa mort en 1819, pencha pour dire que nous étions des sons. Un Anglais polymathe, Thomas Young, avait pu isoler plus de noms, plus de mots et même plus de sons que personne avant lui. Tu surveilles entre intérêt et sarcasme les avancées de cet Œdipe de Londres, mais tu es persuadé qu'aussi habile qu'il soit, il ignore notre nature intime, nos rapports avec la langue parlée, le jeu de nos éléments et notre essence. Septembre 1822. Sur la pierre de Rosette, tu tournes et tournes dans l'enclos du cartouche du jeune Ptolémée. Et maintenant, tu penses distinguer les sept lettres qui composent son nom. Mais comment être sûr que tu as bien compris? Tu obtiens le dessin d'un obélisque de Philae, sur le socle duquel les prêtres s'étaient adressés en langue grecque à Ptolémée et Cléopâtre. Sur l'obélisque en hiéroglyphe, tu vois le nom de Ptolémée dans son cartouche, tel qu'il se trouve dans celui de la pierre de Rosette. Et à côté de lui est un autre cartouche qui doit donc être celui de Cléopâtre. Ptolémaïos a des lettres en commun avec Cléopâtre. Si les signes semblables dans ces deux noms expriment dans l'un et l'autre cartouche les mêmes sons, on pourra constater leur nature entièrement phonétique. Dans la chambre du 28 rue Mazarine, tes yeux passent d'un nom à l'autre. Le premier signe du nom de Cléopâtre, qui figure une espèce de quart de cercle et qui représenterait le K, ne doit point se trouver dans le nom de Ptolémée. Il n'y est point en effet. Le second, un lion en repos qui doit représenter le L, est tout à fait semblable au quatrième signe du nom de Ptolémée, qui est aussi un L. Le troisième signe du nom de Cléopâtre est une plume ou feuille qui représenterait la voyelle brève E. L'on voit aussi à la fin du nom de Ptolémée deux feuilles semblables. Le quatrième caractère du cartouche hiéroglyphique de Cléopâtre représentant une espèce de fleur avec sa tige recourbée répondrait à l'eau du nom grec de cette reine. Il est en effet le troisième caractère du nom de Ptolémée. Le cinquième signe du nom de Cléopâtre, qui a la forme d'un parallélogramme et qui doit représenter le P, est de même le premier signe du nom hiéroglyphique de Ptolémée. Le sixième signe répondant à la voyelle A est un épervier et ne se voit pas dans le nom de Ptolémée. Le septième caractère est une main ouverte représentant le T. Mais cette main ne se retrouve pas dans le mot Ptolémée où la seconde lettre, le T, est exprimée par un segment de sphère. Tu notes cette différence. Le huitième signe de Cléopâtre, qui est une bouche vue de face et qui serait le R, ne se trouve pas dans le cartouche de Ptolémée et ne doit point y être non plus. Enfin, le neuvième et dernier signe du nom de la reine qui doit être la voyelle A, est en effet l'épervier que tu avais déjà vu. Tu n'as pas fait que deviner les noms par déduction ou par comptage. Lettre à lettre, tu as lu Cléopâtre, tu as lu Ptolémée. Dans un petit carnet de cuir vert, tu notes les noms des souverains étrangers en grec et en français, et peu à peu dessous leur nom en hiéroglyphe. Ptolémée, Cléopâtre, Bérénice, Alexandre, Arsinoé, Néron trouvent leur place dans leur cartouche. Un jour, tu connais assez de sons pour écrire sur la page de garde en hiéroglyphe Champollion,
1822. Tu sais lire à présent le nom des souverains grecs, mais qu'en est-il des noms d'origine égyptienne? Tu reçois en ce mois de septembre venant d'Abou Simbel la copie de cartouches royaux du temps d'avant les Ptolémées. Sur deux d'entre eux, un signe commun en leur centre reste muet. Un des cartouches commence par un cercle. Ce cercle pourrait être le soleil, qui en copte se dit Ra. Et à l'autre bout du nom, ces lignes recourbées sont l'un des signes du son S. Ra. Mais que veulent dire au milieu ces trois tresses attachées en un point? Ce signe, tu l'as vu récemment sur une lithographie et sur la pierre de Rosette, il est lié à la naissance. Une idée qui scintillait depuis longtemps au fond de l'eau est en train de remonter à la surface de ta conscience. Et soudain, par un saut de l'intuition au-dessus du silence, tu te souviens qu'en copte, naissance se dit Oumissé. Ce signe du milieu pourrait se dire Mess. Alors, alliant des signes représentant des sons à des signes représentant des mots, tu traduis le nom royal Ramesses. Ramsès. Ré l'a engendré. Et sur cette autre cartouche, voici le roi Toutmosis, que Thoth, le dieu de l'écriture, a engendré. Pour la première fois depuis plus de 15 siècles, quelqu'un a su lire, comprendre, traduire et prononcer la langue des anciens Égyptiens. Tu traverses la rue, tu cours voir ton frère à la bibliothèque, tu dis « Je tiens l'affaire ». Et puis, tu ne dis plus rien, car tu t'es évanoui de fatigue. On te transporte dans ton lit, ton frère répète ton prénom, mais tu ne l'entends pas. Tu entends, les yeux fermés, un son que tu es le seul encore à percevoir. Une porte immense est en train de tourner sur ses gonds. Et derrière, dans l'ombre, commence à bruire une nuée de 3000 années de paroles. La nuée entre et emplit tout l'espace de la chambre, vole autour des quelques années de ta vie qui pourraient se briser, étouffées sous le nombre. Le son assourdissant se mêle à celui de ton cœur et de ton sang qui coule. Un murmure se détache et comme un papillon se pose près de tes yeux mi-clos afin que tu puisses le voir et l'entendre. Jean-François, nous sommes là. Reste encore un peu en vie. Nous avons deux ou trois choses à te dire. Thank you.
Pendant que tu reprends des forces, ton frère tient la plume et t'aide à rédiger le résultat de tes recherches. Et le 27 septembre 1822, M. Champollion le Jeune, accompagné de M. Champollion Figeac, traverse la rue Mazarine pour aller lire à haute voix la lettre à M. Joseph Dacier, secrétaire perpétuel de l'Académie royale des inscriptions et belles-lettres, relative à l'alphabet des hiéroglyphes phonétiques employés par les Égyptiens pour inscrire sur les monuments les titres, les noms et les surnoms des souverains grecs et romains. Tu y rends les hommages de rigueur à tes illustres prédécesseurs, dont certains sont dans la salle, mais tu t'en détaches de façon définitive. Tu te gardes cependant de dire tout ce que tu as vu dans la chambre du 28 rue Mazarine. Une partie de la troupe est restée dans l'ombre des coulisses. Tu donnes les clés pour lire le nom des étrangers, mais ne dis presque rien sur les idéogrammes, ni sur notre art de mêler les sons avec eux. Il faut dire que ce jour-là, tu nous comprends à peine. Notre sens est encore dispersé comme le corps d'Osiris déchiré par son frère à la tête de chacal. Mais tu te sens pour nous les vertus de la déesse Isis qui rassembla les membres épars de son frère pour lui redonner le jour. À la différence que nos membres sont innombrables et leurs fonctions sujettes à l'instabilité. Comment savoir si cette bouche veut dire la bouche ou bien un R? Et cette fleur de grenade n'est-elle pas aussi un R? Et cette larme, est-ce une larme? Est-ce là le son ch ou un jardin? Et ici, une chèvre sauvage ou encore le son ch? Cet enfant désigne-t-il un enfant ou un S? Cet œuf est-il un S ou un œuf ou encore autre chose? Et cette étoile, est-ce une étoile ou bien? Et c'est là que le dieu t'ôte, tantôt singe, tantôt ibis, et qui consigne toute la vie des morts quand ils se présentent devant Anubis pour faire peser leur cœur, t'emporte encore une fois sur son aile pour t'emmener cueillir une nouvelle clé dans les étoiles. Ton frère avait beaucoup étudié les gravures d'un ciel étoilé sculpté dans un plafond de grès que la troupe d'Égypte avait relevé à Dendera dans un temple dédié à Osiris. Achetée par le roi Louis XVIII à Mehemet Ali, cette spirale des signes du zodiaque avait été arrachée du lieu de sa naissance pour traverser la mer et orner un musée. Dans ce ciel de pierre, tournent en harmonie les images et les signes, et l'art semble y être une branche de l'écriture. La figure de Mercure y danse avec son nom. À chaque fois qu'une planète est nommée, on trouve le signe de l'étoile. Et tu comprends alors que cette étoile n'est ni un son, ni l'astre. Elle ne se prononce pas, mais son scintillement est là pour guider le lecteur. Elle fait ici partie d'un troisième genre de signes, les déterminatifs, qui sont placés à côté des autres pour lever toute ambiguïté que l'absence de voyelles et la diversité des signes désignant un même son pourraient créer dans la lecture. « C'est un système complexe », as-tu écrit. « Une écriture tout à la fois figurative, symbolique et phonétique, dans un même texte, une même phrase, je dirais presque dans un même mot. » Certes, nous sommes complexes, et ta barque est encore un peu fragile, mais tout est prêt pour le voyage. Thank you.
La lettre à Dacier t'avait apporté controverse et estime, ainsi qu'une tabatière en or, généreux don royal saluant ta découverte, mais pas de quoi continuer tes recherches. Ton grand frère à nouveau trouve une issue en la personne du duc de Blacas, grand amateur d'antiquités, qui mécène ton voyage dans les collections italiennes. Tu lui décris de Naples, de Rome et de Florence tous les trésors que tu découvres, et tes progrès dans la compréhension des dynasties royales et de la vie de ces hommes anciens dont les mains ont un jour tracé les signes en lesquels à présent ils demeurent. Tu t'es également rendu à Turin pour aller étudier la grande collection de Drovetti, soldat méritant de l'empereur puis consul, pillard ou sauveur d'antiquité égyptienne selon la couleur que cet homme moiré prend sous les lumières de l'histoire. Il avait vendu ses trésors au prince du Piémont, roi des noisettes, après le refus du roi de France à la tête en forme de poire. Jamais tu n'as vu un tel déferlement d'objets. Tu en dresses l'inventaire et navigues sur une mer de signes dont tes cahiers se noircissent. Un jour de novembre 1824, tu fais face à un grand naufrage. Les hommes que tu y as sauvés n'ont jamais effacé la perte des noyés qui gisent pour toujours dans les eaux de l'oubli. On te parle d'une salle dans les combles où sont entreposés des débris, dit-on, sans importance. Tu insistes tout de même pour les voir? Tu es saisi d'un froid mortel. Une table de 10 pieds de longueur est couverte dans toute son étendue d'une épaisse couche de débris de papyrus. Tu te dis pour te rassurer qu'il s'agit peut-être là de manuscrits funéraires que tu connais déjà, mais quand tu as le courage de jeter les yeux sur les fragments les moins informes, ton sang se glace cruellement en reconnaissant que tu as dans la main un débris de pièces datées de l'an 24 du pharaon Amenophis Memnon. Tu te décides à examiner un à un les débris qui couvrent cette table de désolation. Comme les paysans que tu voyais, enfant, trier les noix dans les soirées d'automne, tu
saisis de ta pointe à calquer chaque débris qui va de la table à ta main, recto, verso. Y a-t-il quelque chose à ranimer dans ce lambeau du grand cadavre d'histoire avant qu'il ne retombe à toujours dans les profondeurs? Tu vois rouler dans ta main des noms d'années dont on avait totalement perdu le souvenir, des noms de dieux qui n'ont plus d'autel depuis 15 siècles, et tu recueilles en respirant à peine, craignant de le réduire en poudre, tel petit morceau de papyrus, dernier et unique refuge de la mémoire d'un roi qui, de son vivant, se trouvait peut-être à l'étroit dans l'immense palais de Karnak. Dans ces restes si fragiles et si mutilés d'un monde qui n'est plus, tu vois, comme dans celui d'aujourd'hui, que du sublime au ridicule, il n'y a qu'un pas, que le temps réduit au même niveau ce qu'il y a de plus grand et de plus petit, de plus grave et de plus futile, de plus triste et de plus gai. Aux côtés d'un fragment d'un acte du règne de Ramsès le Grand ou d'un rituel contenant les louanges de Ramsès Meyamoun, tu trouves un débris de caricature égyptienne représentant un chat qui garde des canards, la houlette à la main, ou un cynocéphale qui joue de la double flûte. Près des noms et prénoms du belliqueux Maéris, un rat armé en guerre et décochant des flèches, ou bien un chat montant sur un char de bataille. Ici, un morceau de rituel funéraire sur le dos duquel l'intérêt humain avait écrit un contrat de vente. Et là, des débris de peinture d'une obscénité monstrueuse, bien loin de la gravité et de la sagesse que l'on prête à l'Égypte vénérable. Ainsi, d'un canon royal en écriture hiératique contenant des dynasties inconnues, tu recueilles au milieu de la poussière une vingtaine de fragments contenant les prénoms plus ou moins mutilés de 77 pharaons. Je ne m'en consolerai jamais, as-tu écrit. C'est une blessure qui saignera longtemps. La réputation croît et les intrigues qui l'accompagnent. Chaque souverain d'Europe veut sa collection d'Égypte et Charles X te fait conservateur de son nouveau musée. Tu acquiers à Livourne les trésors du consul Salt et tu les mets en scène au Louvre. Le public, un guide à la main, traverse la salle des morts au socle noir, la salle des vivants au socle vert, la salle des rois au socle d'albâtre, la salle des dieux au socle jaune. Les objets égyptiens n'y sont plus présentés comme on montrait des bêtes de foire. Tu veux que l'on comprenne et que l'on ressente la grandeur, la beauté de notre civilisation et qu'on cesse d'affirmer que les arts de la Grèce sont nés parfaits, sans influence et sans égal, par une miraculeuse génération spontanée. Quelle vanité quand les statues égyptiennes pourraient tenir les Grecs
dans le creux de leurs mains. Thank you.
C'est la pleine lune et bientôt la fin du voyage. Ton bateau se balance sur le Nil. Les membres de l'expédition que tu as pu mener du nord au sud puis du sud au nord dorment déjà. Tu penses à ta famille. Depuis presque 2 ans, tu vis dans le pays qui jusqu'ici avait vécu en toi et qui s'est révélé plus vaste et plus profond que dans tes rêves. Tu nous as vus inscrits dans la vie même, reconnaissant les traîneaux pour hacher la paille et les mangeoires des bovidés qui n'avaient pas changé de forme. Ces chiens jaune-roux à la queue relevée en trompette, tu les avais déjà vus dans ta chambre se promener sur les pages. Cette gousse de mimosa dans ta paume semblait dessinée par un scribe. Et les silhouettes des hommes et des femmes travaillant sous un soleil d'encre rouge, quand ton bateau déroulait le long papyrus de la rive, parlait silencieusement une langue oubliée. Tu as bu l'eau du Nil avec autant de foi qu'un Indien l'eau du Gange, ce qui n'était pas une très bonne idée, ni un remède contre la goutte qui t'a beaucoup torturé tout au long du voyage. Tu écris à ton frère et, en fermant les yeux, tu revois les 4 colosses du temple d'Ipsambul à moitié sous le sable, les hommes y ménager un passage précaire par lequel tu te glisses presque nu dans la fournaise obscure. La flamme de la bougie fait émerger de l'ombre les 8 piliers immenses contre lesquels sont adossés 8 statues de 10 mètres représentant Ramsès le Grand. Tu marches le long des bas-reliefs racontant ses conquêtes, en respirant l'air rare de ce livre immense, dont le sens, peu à peu, reprend vie à la lumière de ton esprit. Tu rouvres les yeux, et c'est comme ce moment où vous avez ôté l'échafaudage et où le sable contenu un instant s'est jeté furieusement contre l'entrée pour la faire disparaître. Mais tu gardes dans tes carnets des milliers d'entre nous et du travail pour une vie entière. La lune est partie et les étoiles ont pris leur place, aussi précisément que sur un bas-relief. À bord, il y a aussi une gazelle et un chat qui dorment près de la petite barque funéraire que tu ramènes en France. C'est la barque que l'on pose près du mort et dont il doit savoir nommer toutes les parties pour que les rameurs, fraternellement, acceptent de le mener au jour. Tu la regardes, elle aussi avec le mouvement du bateau, et tu t'imagines qu'en elle, aussi une autre barque qui abrite une autre barque qui abrite une autre barque et ainsi jusqu'à l'infini. Thank you.
Ô bel adolescent, reviens en ta demeure. Depuis longtemps, nous ne t'avons pas vu. Ô beau joueur de sistre, reviens en ta demeure après que tu t'es éloigné loin de nous. Nous t'enlacerons et tu ne t'éloigneras plus de nous. Ô être au beau visage, grand amour, ô mâle, seigneur de la passion. Reviens en paix, ô notre maître, afin que nous te voyions. Je désire te revoir, je suis ta sœur Isis, que ton cœur a aimée, poursuivant ton amour quand tu t'es éloignée. J'inonde ce pays de larmes en ce jour. Reviens, ô mon maître, afin que je te voie. Ô souverain, reviens en paix. Je suis une femme utile à son frère, ton épouse, ta sœur. Reviens donc vers moi en hâte, car je désire revoir ton visage depuis le temps que je n'ai pu le contempler. Une chaleur est en moi à cause de mon amour pour toi. Ah, mais viens que je te voie. L'obscurité demeure ici en mes yeux, même lorsque Ré est dans mes yeux. Et dans mes yeux. Mon cœur brûle d'être séparé de toi, ô malheur. Je me lamente sur ton amour pour moi. Ah, viens, ne sois pas éloigné. Ne sois plus solitaire. Tu es mort. Tu es entré dans l'Imentet Neferet, le bel Occident, là où le soleil se couche. Alors ton frère se rend sous l'arbre où tu aimais te reposer. Il vient chercher ton cœur, passe sa main dans les herbes, tourne autour de l'arbre, et après bien des recherches, il le retrouve. Le dépose dans un bol d'eau fraîche, et puis la nuit venue te fait boire l'eau du bol. Ton cœur revient dans ta poitrine. De nouveau, il se met à battre, et vous vous embrassez comme à votre habitude. Vos yeux brillent de ces retrouvailles. Voilà comment cela aurait pu se passer si vous aviez été les deux frères du comte des deux frères. Mais dans la vie réelle, cela se passa presque de la même façon, car tu avais mis ton cœur à l'abri dans un livre,
comme le raconte ton frère dans la préface de la grammaire où tu as si bien parlé de nous. Nous dirons donc que la grammaire égyptienne est son dernier ouvrage. Il en fit la seconde rédaction aussitôt après son retour du voyage en Égypte, et il inséra dans son manuscrit un assez grand nombre d'exemples tirés des monuments qu'il avait vus et étudiés pendant ce voyage. Les signes des écritures égyptiennes y sont tracés avec un esprit et une habileté que la presse n'a pas toujours pu reproduire dans toute leur pureté. Après les premières atteintes de la cruelle maladie qui lui accorda une trêve si courte et si trompeuse, il ne s'occupa encore que de cette grammaire. Il en mit les feuilles en ordre, et après s'être assuré que rien n'y manquait, « Serrez-la soigneusement, dit-il, j'espère qu'elle sera ma carte de visite pour la postérité. » Avant toi, nous nous étions habitués au silence. Le sens logeait en nous, replié, en sommeil, comme ces animaux minuscules qui peuvent résister sans manger et sans boire pendant des années dans le froid ou la chaleur extrême, et qui survivraient même dans le vide ou en cas d'accident nucléaire. Nous sommes redevables aux humains, à ceux qui nous ont créés et tracés pendant plus de 3000 ans, à ceux qui nous ont aimés sans nous comprendre, à ceux qui ont désiré le faire sans y parvenir, et à toi qui nous as ramenés au jour et qui as su voir en nous le miroir d'autres hommes ayant connu la vie. Nous ne t'oublierons pas, même si tu n'es plus là pour nous lire. Et même quand ils ne seront plus là, nous n'oublierons jamais les hommes.